сразу не поутру, когда совсем нет слов от счастья. Поцелуй соседа, если жизнь вдруг улыбнулась в одночасье. И пикай, когда играй нота ду. В Казани есть все. Kazan a tout. C'est une ville de culture, une ville d'éducation et plus important encore, c'est une ville qui a un très beau festival qui s'appelle La Création de la Paix. Deux douzaines de groupes, locaux et étrangers, ont partagé la scène à Kazan. C'est la deuxième année que ce festival existe dans la capitale de la République russe du Tatarstan. Il a pour objectif d'être un peu plus qu'une scène musicale, comme l'explique son fondateur et président, une icône de la scène rock russe, Andrei Makarevich. C'est une création de la paix, dans le sens où c'est la création d'une alternative à la guerre. Il semble que le seul environnement de nos jours où il n'y a pas de préjugés raciaux, ethniques ou nationaux, c'est une scène musicale. Le reste du monde ferait mieux de suivre cet exemple. Sur scène, un patchwork éclectique où résonnent ensemble des airs tatars avec des arrangements rock, des violons et des accordéons avec du hard. C'est le reflet de la diversité de cette région, essentiellement musulmane, située à 800 km à l'est de Moscou. Une république multiethnique composée de 70 groupes dont les deux plus importants sont les Russes et les Tatars. Juste derrière la scène du festival se dresse la muraille blanche du Kremlin de Kazan. La citadelle se situe au beau milieu du centre historique de la ville. Contrairement à de nombreuses autres régions de l'ancienne Union soviétique, le Tatarstan semble totalement épargné par les tensions ethniques. Témoignage de ce respect mutuel, la mosquée, qui se dresse aux côtés de la cathédrale chrétienne orthodoxe. Ce sont des sites de pèlerinage importants pour les deux religions. Le festival participe de la même volonté. Parmi ses objectifs, réunir des artistes provenant de pays divisés par des conflits religieux, politiques ou militaires. Le groupe britannique de World Fusion, Fundamental, a intégré de nombreux samples venus du monde entier, notamment d'Inde et du Pakistan. Les paroles de leurs chansons en appellent à la justice et à la lutte contre le racisme. Il y a beaucoup de partisans pour la guerre et pas assez de pacifistes. Mais ça ne veut pas dire que les pacifistes sont des hippies fatigués. Ils veulent que les gens se rencontrent et cessent d'être arrogants et ignorants, qu'ils partagent leur culture et qu'ils acceptent les différences des autres. Il y a un an, le conflit militaire en Ossétie du Sud a tendu les relations entre la Russie et la Géorgie. Nino Katamadze, une des chanteuses géorgiennes les plus connues, plaisante sur le fait qu'elle a dû apporter tout un stock de maquillage au cas où une nouvelle guerre la bloquerait ici, à Kazan. Ce festival élabore une philosophie selon laquelle le fait de servir une bonne cause signifie quelque chose de mieux que gagner une guerre. Un point de vue partagé par son homologue Yuri Chevchuk, le musicien et auteur russe, est aussi un partisan affiché de mouvements d'opposition pro-démocratique. Les politiciens nous divisent, les musiciens nous rassemblent, c'est ce qui est important. Et la chanteuse géorgienne et le chanteur russe de se retrouver sur la même scène pour une reprise emblématique « All You Need Is Love ».